Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui dans ce témoignage puissant 39. C'est extraordinaire. En dessous de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour un témoignage hors du commun. Ici, il s'agit d'une fille qui sera tout simplement initiée par son grand frère, son grand-père plutôt. Et ce qu'elle va rencontrer, franchement, ça va nous étonner. Elle va nous raconter tout ce qu'elle a vu, son expérience dans ce monde ténébreux. Tenez-vous bien parce que ce qui va se passer sera chaud, ce sera extraordinaire. Si vous avez été touché, laissez un j'aime. Let's go. Écoutons ce témoignage ensemble et découvrons ce qu'elle nous réserve comme des surprises. C'est extraordinaire. On se revoit. Let's go. Témoignage de la sorcellerie par la sœur Marguerite. 1. Quand mon grand-père arriva du village. Je suis née dans une famille de 10 enfants, ma mère était une deuxième femme et j'étais l'aînée de ma famille. Mon père était un homme d'affaires et il avait beaucoup d'argent, la vie était belle et tout allait bien pour nous. Jusqu'au jour où nous avons reçu la visite de notre grand-père, qui est venu du village, qui à vrai dire était l'oncle de mon père. Durant cette période ma mère était une chrétienne catholique, mais un chrétien charnel et religieux, donc elle ne pouvait pas comprendre les réalités des conflits et combats spirituels. Dans ces conditions elle ne pouvait pas non plus connaître la véritable identité du grand-père qui est arrivé du village, pour une supposée visite familiale. En revanche, nous étions juste heureux de le recevoir et de passer du temps dans la famille ensemble. Mais en réalité, mon grand-père était un terrible sorcier macabre, qui était en mission contre la famille, qui lui avait quand même bien accueilli. Jésus avait dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ainsi donc, personne dans la famille ne pouvait savoir que le grand-père était un agent de Satan en mission. En effet, toute la famille était dans les religions traditionnelles mort, où il n'y a pas de vie. Par ailleurs, mon père et ma mère avaient bien accueilli le grand-père. Ils ont tout fait pour le rendre heureux et le mettre à l'aise, en lui offrant des biens et des cadeaux. Ils sont tentés de combler tout ce besoin, en dépit de la générosité et la bonté de mes parents. Mon grand-père était déterminé à accomplir sa mission dans la famille. Il était donc sans cœur et froid. En effet, quand un homme est profondément dans la sorcellerie, peu importe l'amour, la générosité et la bonté que vous allez lui démontrer, il va demeurer tout de même implacable. À vrai dire, montrer l'amour à un sorcier ne changera jamais la détermination de ce dernier à accomplir les œuvres de son père. D'autre part, tous les sorciers sont dans l'obligation de rendre de compte à leur fraternité, à propos des infractions, crimes et mauvaises actions accomplies au courant de la journée. De peur de subir de corrections et punitions, Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Bien-aimés, les sorciers sont des criminels, des meurtriers et des tueurs en série. C'est comme ça qu'il doit être considéré. Ainsi, le grand-père était en mission. Il avait l'affectation de détruire la famille et mettre l'instabilité, du chaos et du chagrin, comme cela coutume chez les sorciers. Il est venu enlever la joie et la prospérité régnant dans la famille. 2. Mon initiation à la sorcellerie et le voyage dans le monde astral. Je me souviens à cette époque j'étais à l'école primaire. Un de ces jours je suis retourné de l'école, mais dès que j'arrive à la maison, je constate qu'il n'y avait pas de nourriture. Et pourtant, tout le jour la nourriture était prête une fois que j'arrive à la maison. Enfin, ma mère se précipita au marché pour faire les courses et acheter quelque chose afin de le cuisiner pour moi. Pendant que ma mère était absente, j'étais seul dans la maison, en train de se reposer sur notre canapé, comme ma mère prenait du temps. Du coup, je vois mon grand-père qui s'approcha de moi, et me dit, « Étant donné que ta maman prend du temps, tu prends cet argent, et tu vas acheter quelque chose à manger dans la rue. » Bien-aimé, cet acte manifestement généreux de la part de mon grand-père cachait un motif diabolique, car l'argent que mon grand-père m'a donné était ensorcelé. En effet, cet argent que me donna le grand-père était déjà manipulé et travaillé dans la sorcellerie. En gros, il avait l'intention de m'initier dans la sorcellerie à travers cet argent, ignorant qui j'avais affaire. J'ai pris cet argent et je suis allé acheter quelque chose à manger, sans savoir que cet argent était un point de contact. Arrivé au marché, j'acheta quelque chose à manger pour calmer ma faim, en attendant l'arrivée de ma mère. Mais ce fut quand je suis allé dormir cette nuit-là que j'ai commencé à voir des choses étranges. Alors que je dormais, je commençais à expérimenter des phénomènes paranormaux et des manifestations inexpliquées. Pendant que je dormais cette nuit-là, j'ai senti comme un vent impétueux.
qui soufflait dans ma chambre, bien que les fenêtres étaient fermées. Aussitôt que je me suis réveillée, je vois tout de suite une personnage apparemment diabolique apparaître dans ma chambre. Il était comme un diable. Il était terrifiant et affreux à voir. Il dégageait la terreur et l'épouvante. Dès que j'ai vu cet être lugubre dans ma chambre, j'étais paralysée par sa présence diabolique. C'était la terreur et l'épouvante. Un homme ordinaire sera sûrement paralysé par la terreur. Alors que j'étais la paralysée, je lui ai demandé « Qui êtes-vous ? » Il était froid dans ses réponses. Il me dit « Ne me demandez pas beaucoup de questions. Je suis venu vous prendre et nous devons voyager. » Je lui ai répondu « Où sommes-nous supposés aller dans la nuit comme ça ? Alors que tout le monde dort, tu me parles de voyage. Il est nuit et je ne viens pas avec vous. » Cet personnage maléfique qui était à vrai dire mon grand-père, était tellement affreux et monstrueux que je ne pouvais pas l'identifier, parce que son apparence était semblable à un démon. Dans le monde astral des sorciers, dans la nuit ils prennent des apparences et des formes diaboliques et monstrueux, à tel point que je ne pouvais plus identifier mon grand-père, il était vraiment comme un diable. Dès que je lui ai dit que je ne venais pas avec lui, aussitôt, il sortit une épée, et il a commencé à menacer de me tuer si je ne venais pas avec lui, comme je ne pouvais pas l'identifier. Je lui ai demandé, « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. » Il me dit « Je suis ton grand-père, tu dois juste venir avec moi, ne me pose plus de questions. » Pendant que j'entretenais cette conversation avec mon grand-père, j'étais complètement paralysée. Je ne pouvais pas bouger une partie de mon corps, même pas mon doigt. Son aspect diablotin me paralysa complètement. Soudainement, j'ai vu une lumière sortir de la pièce où nous étions. Après ce dialogue, immédiatement nous avons voyagé hors de la maison vers le monde astral des sorciers. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu des gens qui étaient des êtres humains mais ils ressemblaient à des diables. Ils avaient des aspects diaboliques, démoniaques et maléfiques. Leur habillement et accoutrement étaient étranges. Beaucoup d'entre eux étaient vêtus de raffia traditionnel africain et de vêtements péco. Dans cette réunion de sorciers, il y avait beaucoup de bruits de musique et des bruits de tam-tam africain. Les gens dansaient des danses étranges et macabres. J'ai demandé à mon grand-père quel était cet endroit. Il me répondit, c'est un lieu de fête, de célébration et de joie. Puis j'ai vu mon grand-père se diriger vers le chef de cette fraternité sorcier. À vrai dire, il donnait des comptes à ce prêtre, à propos de son affectation, et le progrès de sa mission dans ma famille. En gros, mon grand-père était vraiment vieux, et donc son objectif était de sélectionner un jeune homme dans la famille, afin de lui transférer et de lui remettre son pouvoir de sorcellerie. Alors que nous étions toujours dans ce lieu de rassemblement de sorciers, il me présenta au grand prêtre de ce confrérie sorcier. Puis j'ai vu l'assistance des sorciers m'applaudir et me souhaiter le bienvenu. Le prêtre félicita ce dernier et lui dit « Vous pouvez maintenant vous reposer, afin que nous puissions utiliser la fille à votre place et écrouler cette famille et leurs affaires. » Puis il demanda à mon grand-père « Qui est donc cette fille que tu nous as amenée ?» Ce dernier dit au prêtre et à la foule « Elle est ma petite fille, de la deuxième femme de mon fils. » Dès que le grand-père me présenta à l'assistance, il y avait des applaudissements et les gens battaient des tam-tams dans une atmosphère de célébration. Au fur et à mesure que des bruits de chants incantatoires et des battements des tam-tams se poursuivaient, le grand prêtre qui était assis sur son trône se leva, et il fit un signe avec sa main, et il réduisit la foule des sorciers au silence. Puis il demanda au service protocolaire de m'amener vers lui. Immédiatement je fus emmené vers le grand prêtre devant l'autel où il se tenait. Une fois que je me suis approché de ce chef de sorcier, mon grand-père me fit signe de m'agenouiller devant le grand prêtre. 3. Le rituel et la cérémonie d'initiation. Quand je me suis agenouillé devant ce souverain sacrificateur sur l'autel, il me dit, « Marguerite, tu seras un puissant outil de destruction et de manipulation sur la terre, et tu seras redouté. » Alors que je me tenais devant l'autel, j'ai remarqué qu'à ma gauche, il y avait une chaire, et un livre d'alliance était placé dessus. En plus de cela, il y avait un bol de sang humain, avec un stylo à plume qui devait être utilisé pour la signature de l'alliance. Et à ma droite, il y avait aussi une calebasse africaine, un récipient contenant du sang humain, et il y avait une crâne humain dans le bol de sang humain qui était pour le baptême. Une fois que la cérémonie d'initiation avait commencé, j'ai vu un homme du service protocolaire qui prit le bol de sang et l'amena vers moi. J'étais supposé le boire. Tout dans cette cérémonie d'initiation était sur le sang. Le grand prêtre a commencé la cérémonie d'initiation en posant sa main sur mon cœur, afin de détruire l'amour, la compassion et l'empathie. Je sentais mon cœur trembler. Ensuite le grand prêtre posa sa main sur mes yeux, pour ouvrir le troisième œil, qui allait me permettre de voir la dimension spirituelle. Il toucha aussi mes oreilles pour que je sois en contact 24 heures sur 24 avec le monde astral des sorciers.
Alors qu'il me transférait ses capacités, je pouvais entendre des coups de tonnerre, et mon corps tremblait. Ma nature et personnalité étaient soumises au changement et à la transformation grâce à ce cérémonie. Ensuite, j'ai vu deux protocoles qui sont venus avec le livre de l'Alliance, et le bol de sang contenant le bic à plumes. Pour que je puisse signer dans le livre d'Alliance, j'ai vu dans le livre il était écrit « Vous ne trahirez jamais cette fraternité sorcier et le grand gourou Lucifer ». J'ai donc pris le stylo à plumes, et j'ai signé dans ce livre d'Alliance avec le sang. Puis le grand prêtre a pris le bol de sang, il introduisit la crâne humain dans le bol pour puiser du sang. Ensuite il m'aspergea pour me baptiser. À ce moment je pouvais sentir une puissance démoniaque qui allait de la tête aux pieds. Finalement, on m'a donné un bol de sang humain à boire. Tout ceci changeait ma nature et mon cœur. Une fois que cette cérémonie et ce rituel d'initiation à vie commençaient, j'ai vu des gens dans ce rassemblement de sorciers. Ils étaient habillés de raffia africain et de vêtements de peko. Ils battaient des tam-tams et dansaient des danses macabres et étranges. Ils chantaient des chansons incantatoires. Je devais le rejoindre dans leurs danses macabres. Après avoir pris part à des danses et rituels étranges, le grand prêtre me dit « Ma fille, ton nom de baptême est Marguerite. Tous ceux qui rejoignent la fraternité obtiennent un nouveau nom. » Puis il me dit « Marguerite, pour servir notre maître, vous aurez besoin de vous marier. » Ensuite le grand prêtre me donna le 10 commandements de la sorcellerie. Le premier commandement dit « Vous ne devez jamais citer ce nom-là, et ne demandez jamais quel est ce nom dont je parle. » À vrai dire, on cite pas le nom de Jésus-Christ dans le monde de Satan, afin d'éviter les réactions et effets adverses. Le second commandement dit « Quand il y a de la joie, le bonheur et la paix sur la terre, ici dans notre monde nous sommes dans le deuil, ce seulement quand il y a le malheur, la souffrance, la calamité et le chagrin sur la terre que nous avons la joie ici. Et donc il est de votre devoir et obligation d'interrompre et d'arrêter la joie, le bien-être et le bonheur sur la terre, pour qu'on puisse avoir la joie ici. Vous devez apporter la douleur, le malheur et le chagrin. » Puis il me dit, « Vous devez éviter de vous laver en tout temps, raison pour laquelle beaucoup sorciers ne sont pas propres. » Afin le grand prêtre me donna de la viande humaine, et me demanda de la manger. Une fois que j'ai fini de manger cette viande, je donna le reste aux captifs et esclaves, qui étaient dans des cages. Ces captifs sont des victimes de sacrifices humains que les sorciers de ce confrérie avaient tués. Après leur mort, ces hommes et femmes innocents sont finis par devenir esclaves, captifs et prisonniers dans ce royaume astral. Dès que la cérémonie d'initiation a pris fin, nous sommes revenus sur Terre. 4. Les nourritures vendues au marché pour envoûter l'humanité. Le jour suivant, je suis allé à l'école. Alors que j'étais à l'école, le grand-père est venu me prendre à l'école. Et nous sommes allés au marché. Aussitôt que nous sommes arrivés au marché, il me dit, « Je vais vous montrer des articles et des objets conçus dans le monde astral par nos industries, dirigés par le grand prêtre. » Quand nous sommes allés là où étaient vendus les poulets, il me montra le poulet tendre, le poulet sélection et le poulet de saphir. Il m'avertit que tous ces poulets vendus au marché sont conçus dans le royaume astral de sorciers. Ils sont à vrai dire des corps de fœtus et bébés avortés. Le but de ces poulets provenant du monde invisible était de réduire la longévité humaine. En raison de ceci, beaucoup de gens meurent avant leur temps. Comme conséquence, ils atterrissent dans notre royaume et ils deviennent captifs et serviteurs, avant de finir dans le séjour des morts. En effet, les gens qui meurent avant leur temps deviennent des esprits servant dans le monde astral. Ils sont souvent enrôlés dans l'armée de Satan, et opèrent comme des démons. Nous étions toujours dans le marché, quand nous sommes allés à la section où sont vendus de paniers vêtements africains. Le grand-père me montra des vêtements et pagnes africains fabriqués depuis le monde de l'obscurité. Il y avait plusieurs marques de pagnes qui venaient du monde invisible pour envoûter les femmes et les hommes qui allaient les acheter. Puis il me montra un énorme magasin, qui fournissait ces pagnes aux vendeurs. Il me dit que le propriétaire de ce grand magasin fournissant aux vendeurs et commerçants des pagnes africains, fabriqués depuis le monde spirituel et dans notre camp, il est hautement élevé dans le monde spirituel. Puis nous sommes allés dans la section du marché où sont vendus des ustensiles de cuisine. Bien aimé, le diable travaille sans relâche afin d'envoûter toute l'humanité. Il a mis en place des industries et des usines de fabrication des différents produits et articles que nous utilisons sur la terre, de sorte que rien n'est épargné de la manipulation. Le grand-père me montra le modèle de l'assiette 555. Il me montra aussi des fourchettes, cuillères qui ont été conçues par des usines de fabrication dans le monde astral de sorciers. Enfin, nous sommes allés dans le partie du marché où sont vendues de la viande. Il a commencé par me montrer la viande faite à partir de l'utérus des femmes. Ensuite, il me montra de la viande faite à partir de l'organe génital. Il me dit que cela causait de problèmes de conception et de complications chez les femmes. Puis il me montra la partie derrière de la dinde.
Il me dit que ces dindes sont faites à partir des derrières des femmes. Ceux qui vont le manger, la longévité de leur vie sera réduite. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Ceux qui ne prient pas avant de manger, leur vie chrétienne sera détruite. Ils auront du mal à prier et lire la Bible. Puis nous sommes allés voir les saucissons et boudins. Le grand-père me dit qu'il était fabriqué grâce aux organes génitaux des hommes. Il me dit, quand nous mangeons les organes génitaux dans le monde invisible, le goût est exactement comme ces saucissons et boudins. Signe, ma mission de destruction et meurtre en série. Après la visite au marché, dans la nuit nous avons voyagé dans le monde astral. Une fois arrivé au lieu de rassemblement, le grand prêtre me dit, Marguerite, tu dois te marier. Puis il demanda à un jeune homme parmi l'assistance de se lever. Il le présenta comme mon mari. L'homme était son propre fils au nom de Saphir, le nom d'un poulet que j'ai vu dans le marché qui est conçu dans ce monde de l'obscurité. Puis le grand prêtre fut apparaître un énorme écran géant. Ensuite il me dit, Marguerite, vous avez besoin des instruments et des outils de travail pour les affectations et diverses missions qui vous attendent. Premièrement, votre télé familiale dans votre maison sera votre caméra. Elle vous permettra de voir notre monde. Juste en regardant la télévision, vous verrez notre monde. Je regardais le monde des sorcières et me communiquais avec eux à travers la télévision. Et ils m'envoyaient des directives à travers la télévision. Le prêtre me dit, Marguerite, le brouette que vous avez chez vous sera ton avion nocturne. Et dès aujourd'hui, tu vas commencer à pisser au lit. Et ton pisse sera de l'huile pour les avions et engins volants des sorciers. Ils viendront se provisionner en essence chez vous. Puis le souverain sacrificateur me dit, Marguerite, tu vas devoir sacrifier 55 personnes, afin que ton mariage soit célébré et consommé. Je vais vous donner le pouvoir de remplir votre mission. Puis le grand prêtre me dit, il y a un groupe de sirènes des eaux que vous devez fréquenter. Elles vivent dans le centre de Kinshasa. Elles ne sont pas dans la base de données des autorités locales. Vous travaillerez avec eux. Elles vous aideront. Aussitôt le souverain sacrificateur se mit à faire de conjurations. Comme résultat, les sirènes des eaux dont il parlait ont débarqué devant nous. Elles étaient humains, mais leur partie inférieure était poisson. Desquelles ont atterri devant nous. Elles prirent l'apparence humaine qu'elles utilisent comme masque ou fausse identité sur la terre. Ceci afin que je puisse être à mesure de les identifier sur la terre. Après cela, elles ont repris leur forme aquatique avec la queue de poisson. Le grand prêtre me dit qu'elles vivent et travaillent dans la ville, et personne ne sera à mesure de connaître leur identité et leur vraie nature. Pendant la journée, ces sirènes ressemblent aux êtres humains ordinaires, mais elles sont des esprits de l'eau. Elles n'ont fait qu'adopter des fausses identités pour opérer à la surface de la terre. Il faut savoir que ce sont pas tous les hommes et femmes que vous voyez dans la rue qui sont des êtres humains. Il y a des démons physiques vivant parmi nous. Il y a des belles femmes qui sont des sirènes vivant parmi nous. En fait, ces sirènes que le grand prêtre m'avait montrées avaient un énorme bâtiment dans le centre-ville où elles résident. Les gens leur connaissent, mais les gens ne savent pas qu'elles ne sont pas des humains. Elles sont des esprits du monde sous-marin. Le grand prêtre me dit, elles ont un appartement gratuit dans leur bâtiment. Vous pouvez l'utiliser quand vous le voulez. Puis il me dit, vous ne devez jamais coucher avec les bétails et les animaux, qui sont à vrai dire les hommes vivant sur la terre. Après la rencontre avec les sirènes des eaux, le grand prêtre me dit, Marguerite, je te donne le pouvoir de changer de forme. Tu peux te métamorphoser en petit enfant, en homme ou femme de n'importe quelle couleur et taille. Cela t'aidera à accomplir tes affectations et à remplir ton devoir. Tu n'as qu'à réciter la prière incantatoire codée 3 fois. Comme résultat, tu pourras prendre n'importe quelle forme que tu veux. Puis ce dernier me donna une pierre et me dit, Marguerite, une fois que tu recites des incantations et des formules magiques sur cette pierre, ceci va se transformer en une voiture, de n'importe quelle marque et modèle que tu veux. Afin d'accomplir ta mission, la voiture va apparaître dans un emplacement spécifique. Puis il me donna une petite morceau de bois. Ceci devait me servir de téléphone. Ensuite il me dit, je te donne 125 démons qui vont t'assister dans tes différentes affectations. Puis je suis retourné sur la terre. Alors que j'étais en route vers la terre, j'ai commencé à remarquer que pendant que je survolais l'espace la nuit, les toits de quasiment toutes les maisons étaient absents. Il n'y avait pas de toit sur les maisons des gens. Par conséquent, je voyais des gens dormir ou s'asseoir dans leur maison. Quelquefois, je voyais des gens ayant des rapports sexuels, car il n'y avait pas de toit sur leur maison. Mais il y avait aussi des maisons qui étaient couvertes de sang rouge mélangé avec le feu qui brûlait. C'était le sang de Jésus couvrant les maisons de chrétiennes. J'avais aussi remarqué pendant le vol nocturne qu'il y avait des maisons qui étaient absentes la nuit. Mais quand vous venez le jour, ils étaient présents avec des gens vivants dedans, bien que la nuit ils étaient invisibles. C'était des maisons où vivaient des familles chrétiennes. La nuit, ces maisons étaient invisibles. À la place de ces maisons, il y avait de lagunes et des lacs. Dans ce monde gouverné par Satan, la sécurité est uniquement en Jésus-Christ.
Quelques jours plus tard, j'ai demandé au grand prêtre pourquoi certaines maisons manquent de toit, mais d'autres sont couvertes par le sang rouge. Et vous ne pouvez voir que d'autres maisons dans la journée, mais dans la nuit ils sont invisibles. Ce dernier me répondit, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez dans les maisons qui sont sans toit, mais évitez les maisons qui sont couvertes par le sang. Il a refusé de me dire que c'était des maisons de chrétiens nés de nouveau, qui sont protégées par le sang de Jésus-Christ. Mais il me dit vous pouvez uriner sur les maisons qui sont sans toit pour les envoûter. En conséquence il y aura blocage, échec, conflit et manque de paix. Peu de temps après mon initiation, le grand prêtre a choisi pour moi un mari qui était un homme à la queue de poisson. Il était en fait un esprit marin de nommé Saphir. Puis, il m'ordonna d'offrir un sacrifice de 55 âmes humains dans 3 jours, cela avant la cérémonie officielle de mariage et la célébration. Il me dit, je vous donne le pouvoir mais pas l'autorité, parce qu'il y a une différence. Et donc j'avais reçu l'affectation de sacrifier 55 personnes à Satan pour la consommation de mon mariage. 6. Comment j'ai sacrifié? Le lendemain je suis allé à l'école comme d'habitude, mais j'étais accompagné par 125 démons. J'étais le seul à le voir dans la salle de classe. Alors que j'étais dans la salle de classe, je me suis mis à faire des prières d'incantation pour tester ma puissance. Je faisais de prières magiques en récitant des incantations. À vrai dire je voulais devenir deux. Et je voulais que mon double soit une femme à peau claire, avec des formes arrondies. Après la prière magique, en un clin d'œil, je suis devenu deux. J'étais toujours dans la salle de classe en train de suivre le cours, mais une copie de moi était apparue autour de la zone du Parlement national. C'était le lieu de mon opération. Il y avait un buisson derrière le bâtiment du Parlement, où mon duplicata apparaissait. Quand j'ai atterri derrière le bâtiment de parlementaire, j'avais des cheveux artificiels appelés cabello sur ma tête. Je veux souligner que cette marque de cheveux vient du monde sous-marin. Si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, regardez le témoignage du frère Mathieu qui a passé 3 ans dans la civilisation sous-marine alors qu'il était mort. Il a également insisté que les cheveux cabello viennent du monde de sirène. Alors quand j'ai atterri derrière le parlement, je me promenais dans les alentours de ce quartier, mais j'étais simultanément à l'école. Ceci était le début de mes opérations, et je devais sacrifier 55 êtres humains à Satan. Dans une durée de 3 jours, je regrette pour les morts que j'ai causés, miséricorde. Et donc je me suis mis à chercher les victimes. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorer. Dans le cadre de cette affectation, je suis allé derrière une entreprise pour prétendre chercher du travail. Dans ce scénario j'avais besoin d'une identité, ainsi j'ai fait une prière magique. À la suite de ceci, un dossier a atterri sur mes mains. Il contenait la carte d'identité, des diplômes et des qualifications, y compris de preuves d'expérience de travail. Il y avait aussi le formulaire de demande d'emploi de cette entreprise qui était rempli de façon mystique par démons. Je suis allé à cette compagnie qui m'a été indiquée par les démons. Quand je suis arrivé dans cette entreprise, on m'a dit qu'il n'y avait plus du travail, et la secrétaire m'a fait savoir que la compagnie ne recrutait plus. Je supplie à ce dernier, mais il m'a demandé de partir car il n'y avait pas de travail. J'étais sur le point de lâcher. Mais les démons qui m'accompagnaient me proposèrent d'attendre. Puis 5 démons sont montés au bureau du manager, un démon le mit mal à l'aise, un autre démon lui a chuchoté de descendre. Il ne pouvait pas comprendre que cette inclination et tendance de descendre à la réception était le résultat d'une manipulation démoniaque. Le directeur avait un désir de venir à la réception bien qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Il ne pouvait pas comprendre qu'il était influencé par les démons. Aussitôt qu'il est descendu à la réception, il me vit assis. Il ne pouvait pas croire ses yeux, il était enchanté par la beauté qui était devant lui. Immédiatement il a demandé à la réceptionniste, « Qui est cette femme et que fait-elle là ?» La réceptionniste lui a répondu, « Elle cherche du travail. » Je lui ai dit qu'il n'y a pas de travail mais elle refuse de partir. Le directeur était déjà charmé par ma beauté et me convoitait. Il a demandé à la réceptionniste de m'envoyer à son bureau. Plus tard quand je l'ai rejoint dans son bureau, il me dit, « Jeune fille. » Dis-moi qu'est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux et je veux te le donner. Je lui ai dit que je suis l'aîné de ma famille et j'ai besoin d'un travail pour subvenir aux besoins de ma famille. Ce dernier me dit, jeune fille, si vous acceptez d'être ma petite amie, non seulement je vais vous employer, mais je vais vous payer le triple. Alors que le manager parlait de la sorte, je prétendais être émotionnel. Enfin, j'accepta sa proposition, et plus tard, on se convenut un endroit et l'heure de rencontre. Plus précisément dans un hôtel de la ville, quand je suis sorti du bureau du manager de cette compagnie, j'ai vu une belle femme marchant dans la rue. Étant donné que j'étais en train de chercher de victimes à sacrifier, j'ai été tenté de la détruire.
Mais vu que j'étais une femme, je devais donc changer d'apparence et se transformer en un homme afin de la courtiser. C'est ainsi que je me suis éloignée dans une petite ruelle. Comme il n'y avait personne dans cette ruelle, je me suis dit c'était l'endroit approprié pour la métamorphose. En fait, à chaque fois que j'étais sur le point de me transformer, les démons prenaient le contrôle du secteur ou de la rue où je me trouvais. Ils chuchotaient et influençaient les passants de changer de direction ou d'éviter la rue où je me trouvais. Ainsi, les gens changeaient de direction afin que je puisse être laissé seul, comme les démons ne pouvaient pas influencer le chrétien. Quand je venais en face d'eux, ceux qui étaient spirituellement sensibles pouvaient ressentir la chair de poule en passant près de moi. Wow. Et donc je voulais me transformer en un homme d'apparence riche et bien habillé. J'avais aussi besoin d'une voiture. Ainsi, je me suis mis à réciter de formules magiques. À la suite de ceci, je me suis transformé en un homme. Cela se passa en 3 secondes. Ensuite, j'ai récité de formules mystiques sur le morceau de bois qui m'avait été donné. Après la prière magique, il était devenu un téléphone. Puis j'ai pris la pierre mystérieuse que le grand prêtre m'avait donnée. J'ai récité la prière. Comme conséquence, il a disparu. Immédiatement, j'ai été averti par le monde astral à propos de l'emplacement où la voiture avait apparu. Alors que je faisais ces invocations dans cette ruelle, les démons travaillaient pour garder la fille dans les environs en la manipulant. Très rapidement, je suis allé chercher la voiture à l'endroit indiqué par le monde de sorciers. Quand je l'ai eue, je me suis mis à rouler dans la rue principale où la fille était. Quand je l'ai vue, je suis sorti de la voiture et je le suivis. Et j'ai commencé à la courtiser. Après quelques minutes de conversation, nous sommes allés au restaurant. Alors qu'on mangeait dans ce restaurant, j'ai appelé le monde des esprits pour vérifier s'il était une chrétienne née de nouveau ou pas. Immédiatement, je reçois la confirmation qu'elle était un homme naturel. Enfin, je l'ai emmenée dans un hôtel dans la ville qui était fréquenté par le politicien. Dès que nous sommes entrés dans cet hôtel, elle était impressionnée par le luxe de cet endroit, parce qu'elle n'a jamais été dans des cadres pareils. Quand nous sommes entrés dans la chambre de l'hôtel, sans tarder, on se mit à s'embrasser par des tire-langues. Elle ne pouvait pas savoir que mon salive était celle du lézard. Elle était venimeuse. Mon salive était un poison. Et pendant qu'on s'embrassait avec des tire-langues, mon salive venimeuse entrait dans son système et la détruisait. Quelques minutes plus tard, elle devenait paralysée. Le venin du serpent commença à opérer en elle. Elle commença à se crouler comme si elle perdait conscience. Enfin, elle était tombée au sol paralysée. En vrai dire, elle était consciente et voyait tout, mais elle était paralysée. Elle ne pouvait pas bouger une partie de son corps. Alors elle me demanda, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Elle était sur le point de crier au secours pour demander de l'aide. J'ai tout de suite capturé sa voix. À ce moment même, je l'ai tenue par le pied. En conséquence, son esprit est sorti de son corps. Et j'ai capturé son esprit et je l'ai mis dans mon sac. Dès qu'elle était morte, j'ai disparu de l'hôtel et j'ai atterri dans un autre local. Plus tard, je suis allé répondre au rendez-vous du manager à l'hôtel convenu. Ainsi donc, je devais reprendre la forme féminine. Et après avoir repris la forme de la femme du pot clair, je suis allé à l'hôtel où nous étions supposés nous rencontrer. Quand nous sommes entrés dans la chambre d'hôtel, j'ai commencé à déshabiller le directeur. Quand il m'a vu le déshabiller, il a commencé à me complimenter. Il me dit, « Vraiment, vous êtes digne d'un bon mariage. Je ne me souviens plus quand ma femme a fait cela. À chaque fois que je reviens du travail, elle va commencer à créer des disputes avec moi sans raison valable. Je me demande où tu étais pendant tout ce temps. » Le directeur se mit à louer ma mère pour m'avoir bien élevée. Mais le directeur ne pouvait pas savoir qu'il était dans les dernières minutes de sa vie. Il me demanda, « Pouvez-vous être ma seconde femme ?» Je vais vous marier officiellement. J'accepta sa proposition. Ensuite, j'ai demandé au directeur, combien d'enfants avez-vous? Il me répondit qu'il avait 6 enfants. Certains d'entre eux étudiaient à l'étranger. Le directeur était sur le point de me déshabiller, mais je l'ai arrêté. Je lui ai dit, je vais vous donner un signal. Puis on se mit à faire de tire-langues. Ensuite, je lui ai demandé de fermer les yeux pour le surprise. Il pensait que je voulais me déshabiller pour lui. Alors il ferma les yeux. Puis je lui ai demandé d'ouvrir les yeux. Quand il a ouvert ses yeux, j'étais déjà transformée dans ma forme sorcier. Exactement comme les sorciers sont la nuit. Quand le directeur m'a vu dans cette apparence diabolique de sorcier, il était paralysé par la peur. Il voulait crier au secours, mais je captivais sa voix. Il était sans secours. Pourtant, la seule chose qui pouvait lui sauver de cette situation était le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom donné à l'humanité pour le salut, qui est le nom de Jésus-Christ.
Le directeur était impuissant et sans secours. Il a commencé à me demander par. Ils ont trouvé le corps du directeur allongé sur le lit et il y avait plein de sang. Ils ont appelé les autorités de venir enlever le cadavre. Ils ne pouvaient pas me trouver. En outre, j'avais trois jours pour sacrifier 55 personnes. Le lendemain, je suis allé dehors dans la rue et j'ai demandé aux 125 démons qui m'accompagnaient de m'aider à orchestrer un accident, comme ils étaient d'accord. Nous avons embarqué un bus, où il y avait un groupe de femmes, elles étaient des dames d'affaires. Ces démons m'ont signalé que ce groupe de femmes allait survivre l'accident parce qu'elles étaient dans l'occultisme. Elles utilisaient la magie pour prospérer leur affaire. Ces démons m'ont dit qu'aucun animal ne va survivre cet accident. À vrai dire, l'homme naturel est appelé animal ou bétail dans le monde spirituel de sorciers. Ceux qui ne sont pas en Christ ou l'occultisme sont appelés civils et des bétails. Alors que l'autobus roulait, les démons ont réussi à perturber l'esprit du conducteur. En conséquence, il y eut un accident. 11 personnes qui étaient des hommes naturels ou bétail sont mortes. La tête du conducteur était écrasée. Les femmes qui étaient dans l'occultisme étaient épargnées parce qu'ils étaient dans notre camp. Peu de gens ont survécu. À vrai dire, la plupart des chrétiens sont sortis sauves. Les chrétiens rétrogrades étaient blessés. Quand l'accident est arrivé, j'ai capturé les âmes de victimes et je les ai mis dans mon sac. Et je les ai amenés à la maison. Je les ai placés dans le coin de ma chambre où j'avais précédemment placé l'âme du directeur et celui de la jeune fille. Ces âmes pleuraient et se lamentaient dans la confusion. Elles se parlaient entre eux. Ils étaient paniqués et submergés de peur. Ils savaient qu'ils étaient morts. Le jour suivant était le dernier jour de ma mission. J'étais à l'école en train de manipuler d'autres élèves dans la salle de classe. Les parents doivent apprendre à toujours prier pour leurs enfants avant de les envoyer à l'école. Ce jour-là, après l'école, je rentrais à la maison accompagné par 125 démons, qui étaient alloués pour m'aider dans mes affectations. Nous étions à la recherche des victimes. Afin de totaliser le 55 âmes que le monde astral m'avait demandé, on marchait dans la rue quand un démon est venu me voir et m'a dit « Madame, il y a un camion transmarque qui se dirige vers l'école des enfants. Il y a encore beaucoup des élèves dans cette école. » On peut provoquer un accident afin de totaliser le nombre des âmes qui vous a été demandé. J'étais d'accord avec la proposition de ce démon, mais je me souviens avoir laissé des élèves chrétiens à la porte de l'école. Une fois que ces élèves chrétiens étaient partis, les démons sont allés manipuler le conducteur de ce camion. À vrai dire, ils ont pris le contrôle du volant de ce camion. Et ils l'ont conduit et l'ont foncé contre l'école des enfants. C'était une opération démoniaque. J'ai vu quand les enfants couraient vers la gauche, le camion les suivait quand ils couraient à gauche, et quand ils couraient à droite, le camion les suivait à droite. C'est ainsi que beaucoup des enfants étaient tués dans cet accident. Après cet accident catastrophique, j'ai rassemblé ces âmes et les ai mises dans mon sac. Un de ces captifs se plaignait. Je l'ai sorti du sac et je l'ai frappé. Après cela, je lui ai retourné à l'intérieur du sac. Une fois que j'arrive à la maison, ma mère me demande de lui donner mon sac de l'école. J'ai refusé parce qu'il y avait des âmes dedans, mais elle a commencé à insister. Et comme elle continua d'insister, un démon me dit « Laissez-la ouvrir le sac, mais il y aura de conséquences. » Aussitôt qu'elle a ouvert le sac, elle a commencé à souffrir d'une douleur extrême sur son doigt. Cette douleur dura plusieurs mois. 6. Le parade et l'exécution des captifs dans le monde astral. Le lendemain, j'ai transporté ces âmes victimes de sacrifices humains dans le monde astral des sorciers. Ces captifs étaient enchaînés et bondés. Alors que je transportais ces âmes dans le monde des sorciers, leurs corps étaient dans des différentes morgues dans la ville, et je devais surveiller tout. Étant donné que j'étais leur bourreau et exécuteur, j'étais supposé superviser leur enterrement, car le sacrifice humain n'est complet que si seulement le corps du victime est enterré. À vrai dire, si un homme de Dieu prie pour ce cadavre du victime de sacrifice humain, il peut se réveiller, et donc seulement après que leurs corps ont été enterrés que ma mission était achevée. Alors quand je suis arrivé dans le monde astral des sorcières, le grand prêtre m'a demandé de défiler le captif qui était les victimes du sacrifice humain, devant l'assistance des sorciers qui étaient dans cet auditorium. J'ai commencé à défiler ces captifs et esclaves qui avaient des chaînes dans leurs mains et leurs pieds. Et les démons qui étaient à mon service m'aidaient à parader et défiler ces 55 captifs que nous avons capturés sur terre devant les sorciers. Après avoir défilé mes captives, le grand prêtre me félicita et me dit « Nous sommes fiers de toi Marguerite. Tu es une fille formidable. Tu mérites vraiment ce mariage. » Puis il ordonna l'exécution de ces prisonniers et captifs victimes du sacrifice humain. J'observais comment ces captifs étaient décapités un par un dans cet amphithéâtre qui réunissait des multitudes de sorciers. C'est l'arrivée du dragon, le serpent ancien à quatre têtes. Puis le grand prêtre me dit, « Marguerite, maintenant nous devons appeler le grand gourou, afin qu'il vienne assister et célébrer votre mariage. » Le gourou dont il parlait était Lucifer le diable,
À vrai dire, tous ces sacrifices humains étaient pour lui. Il devait venir pour consommer la chair humaine et boire le sang humain. Il était supposé consommer les têtes des victimes et boire leur sang. Et l'assistance dans cette célébration était censée consumer le corps. Quand la cérémonie de mariage a commencé, mon mari est venu placer la couronne sur ma tête. Cette pratique de placer la couronne sur l'épouse vient du royaume marin. Même le mizpahjan et leur couronne vient également du monde des eaux. Quand mon mari a placé la couronne sur ma tête, instantanément mes ongles sont devenus plus longs que d'habitude avec du vernis sur eux. Le maquillage était automatique car ces produits sont fabriqués dans le royaume marin. Après cela, j'ai vu les grands prêtres faire la prière magique afin d'appeler le diable de venir assister et célébrer mon mariage. Après avoir récité des conjurations magiques, le diable se manifesta en un clin d'œil. Quand le diable avait atterri dans ce royaume astral de Calcutta, tous les univers macrocosmiques étaient informés de sa présence ici dans ce royaume. En fait, beaucoup de royaumes interdimensionnels étaient au courant de mon mariage. Ainsi, ils ont envoyé des représentants, des ambassadeurs et des émissaires. Quand le diable est venu dans ce royaume astral, il avait la forme du serpent à quatre têtes. Quand il était apparu, nous nous sommes tous agenouillés devant lui. Puis le grand prêtre a dit au diable, « Votre Majesté, aujourd'hui est le mariage de votre fille et serviteur Marguerite. Je lui ai demandé de vous offrir un sacrifice de 55 âmes en 3 jours. Elle était obéissante à l'accomplissement de son affectation. Nous avons donc pensé que vous devriez bénir son mariage. » Puis le souverain sacrificateur présenta au diable le sacrifice de 55 âmes. Il le présenta les têtes de ses 55 victimes sur un plat. Immédiatement j'ai vu le diable sous sa forme du serpent à quatre têtes dévorer ses sacrifices. Et il but leur sang. Après que le serpent ancien ait consumé le sacrifice qu'on lui avait offert, il dit, « J'ai vu le dévouement et les œuvres de ma servante Marguerite. C'est pourquoi je suis venu bénir le mariage de ma servante. » Puis le diable me dit, « Marguerite, dans votre monde, personne ne pourra te résister. Tu contesteras avec des grands magiciens puissants, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. » Ensuite le diable demanda aux mariés de se lever. Je me suis levé avec mon mari. J'ai vu les ambassadeurs, les émissaires et les dignitaires internationaux du monde invisible qui sont venus à Calcutta se lever. Le diable ordonna à l'assistance de prendre place. Après que tout le monde ait pris place, moi et mon mari nous étions restés debout. Le diable a demandé à mon mari Saphir de placer la bague de mariage sur mon doigt et vice-versa. Ensuite nous avons juré le serment de fidélité. Puis le diable nous a ordonné de nous agenouiller devant lui. Une fois qu'on se mit à genoux, j'ai vu ce serpent mythique souffler et vomir le feu sur nous. Si vous regardez souvent le film d'Hollywood, vous pouvez imaginer ce que je dis. Le dragon ou le serpent ancien cracha du feu de sa bouche sur nous. Et alors que le dragon crachait du feu, toute l'assistance des ambassadeurs, des délégués et des dignitaires du monde invisible étaient écroulés au sol. Mais moi et mon mari Saphir ne t'y ont pas tombé comme les autres. J'ai toujours dit que lorsque le feu Dieu descend dans l'église, il est normal que les gens tombent parce que notre corps ne peut pas résister le feu de Dieu. Après que le serpent ancien avait fini cracher le feu sur nous afin d'augmenter notre puissance, il s'éclata de rire avec des rires infernaux puis il disparut. Après la disparition du diable, la cérémonie du mariage a commencé. Il y avait de la musique. L'assistance mangeait de la chair humaine et buvait du vin qui était du sang humain. Le couple de mariés était supposé manger un être humain entier, qui était grillé comme de la barbecue. Quand la célébration avait fini, le souverain sacrificateur dit à l'assistance, « Les mariés n'auront pas leur pleine lune ici dans le royaume de Calcutta. Ils auront à voyager dans d'autres univers. Ils vont donc voyager dans d'autres dimensions et royaumes dans le monde spirituel. Ils voyageront pour visiter d'autres mondes et d'autres univers. » Le jour suivant, mon mari le Triton est venu me prendre pour le voyage interdimensionnel. Nous avons voyagé d'abord dans le monde parallèle, puis le monde d'Abracadabra, qui est gouverné par une sirène qui est mariée à un être humain. Cette dimension est responsable de la conception des choses relatives à la mode et tendance des hommes et des femmes. Notre musicien au nom de Kofi Olomide est marié à une sirène de cette dimension, appelée Akatshaka. Quand Kofi vient ici, il transporte les habits de mode de ce royaume à la surface de la terre. Pouvait-il ses danseurs avec des vêtements de ce royaume. Après avoir quitté ce royaume, nous avons voyagé vers le Pandémonium, la capitale du royaume de Satan. Nous étions attendus car tout le monde était informé de notre mariage, qui était fréquenté et célébré par Lucifer. Nous avons été reçus par le Maharaj, ces gens qui ont atteint un haut niveau dans l'occultisme dans le monde de Lucifer. Ils étaient supposés nous donner des conseils maritaux. Quand nous sommes arrivés à leur place, ils m'ont félicité et m'ont conseillé de prendre soin de mon mari. Initié. Prendre soin de qui? Ton mari.
Ce témoignage n'est sans doute pas terminé. Mes frères et sœurs, restez jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous entrons dans une autre dimension. Qu'est-ce qui vous a touché? Réagissez aussi dans la partie commentaire et dites-nous clairement ce qui vous a touché. Elle a été initiée par qui? Son grand-père. Elle avait le pouvoir de prendre la forme d'une femme ou d'un homme. Mes frères et sœurs, cette personne, franchement, c'est pas de la blague. Elle existe, elle est réelle. Et elle a vu le diable qui est un serpent à trois têtes. Nous avons ensemble étudié un témoignage où on a vu le diable qui est un jeune de 25 ans, qui est très beau, nom de Dieu. Ça veut dire que le diable, en réalité, il change de forme. Donc nous devons donc rester très 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 vigilants et rester sur nos gardes. Et celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est exposé à toutes sortes de sacrifices de ce monde des ténèbres. Et eux, ils les appellent des bétails. Ils appellent même des hommes ordinaires ou encore hommes naturels. Jean, pour eux, un homme naturel, c'est celui-là même qui est sans protection, qui est exposé, qui peut être sacrifié à n'importe quel moment. C'est le moment de venir au Seigneur Jésus-Christ et Dieu lui-même va nous aider à passer de l'état de l'homme naturel à l'état de l'homme puissant, même très puissant. Oui, parce que Dieu va nous garder, va nous protéger. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, rentre dans ma vie, prends possession de mon corps, mon âme et mon esprit. Que toi-même, tu me guides tous les jours de ma vie et sois avec moi tout le temps. Oh, amen. Tu dis seulement Amen. Et prends ta parole, la Bible, 66 livres. Commence déjà à lire la parole de Dieu, où tu vas découvrir qui est Dieu. Ce faisant, tu vas également découvrir qui est le diable. Et tu seras bien armé dans Ephésiens 6, verset 11, pour pouvoir combattre tous tes ennemis. Et Dieu lui-même va t'aider dans ce combat. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Qu'en pensez-vous? C'est le moment de réagir, parce que Dieu veut nous visiter aujourd'hui. Ok! Let's go! Si vous êtes touché, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette vidéo et c'est parti! Let's go!